Chère petite sœur, la vie était beaucoup plus simple avant qu'il te ramène à la maison. En tout cas, moi je trouve. Signé, ton grand frère. Chère petite sœur, ils m'ont demandé de faire un dessin de toi pour le coller dans ton album de naissance. Alors tiens. Chère petite sœur, si tu connais le sens du mot privé, pourquoi tu te permets d'entrer dans ma chambre ? Non, je ne veux pas voir le dessin que tu as fait pour moi. J'ai dit non, je ne veux pas le voir. Non, tu sais toujours pas ce que ça veut dire ? Bon, fais voir. Le prisonnier, là, c'est moi. Enfermé avec ce livre que je suis obligée de te lire encore et 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 encore. Tu ne vois pas que j'essaie de dormir ? Lis-le toute seule, ton livre. Chère co-résidente de cette maison, voici enfin un dessin de toi cet après-midi en train de lire enfin, enfin, enfin ton livre toute seule. Chère petite sœur, tu te demandes comment tu vas survivre quand tu te retrouveras toute seule avec eux ? Bon pour une visite de la cabane valable quand ton grand frère sera parti faire ses études. Chère petite sœur, quand tu liras ces lignes, je serai parti faire mes études. PS, va voir sous ton oreiller.